Ok, donc là encore un autre défi qui est facile à faire en fait, c'est celui-là où il faut attraper les ennemis au loin. Donc faut faire L1, R1 plus carré. Voilà, et là on voit là je suis à 15 sur 20, là, glisser tranché, ok. Donc en fait, vu que ça consomme de l'endurance, en fait, dès que j'ai de l'endurance, en fait, ce que je fais, c'est que je cours. Donc ça consomme de l'endurance et je saute. Voilà. Et là, je récupère mon endurance quand je saute comme ça, ok? Et dès que je suis assez loin, bon là j'étais un peu trop près parce qu'il faut vraiment être loin. Voilà, là je saute. Là, comme par hasard, il esquive. Voilà, bon là il n'a pas attrapé celui que je voulais, mais qu'importe, hein. Voilà, qu'importe. Voilà, là 17 sur 20. Là je saute encore pour récupérer mon endurance. Voilà, là 18 sur 20, hop, je saute, je récupère mon endurance. Putain, le truc il va pas loin du tout même, hein. Putain, le défi t'exige d'aller le chercher loin, mais. Voilà, allez, 19 sur 20, hop. Voilà, 20 sur 20, voilà, c'est bon, c'est fait. Donc faut pas hésiter, hein. Comme j'expliquais dans une vidéo précédente, en fait, dès qu'on peut, dès qu'il y a moyen de rester, de camper à un endroit pour faire un défi, il faut pas hésiter à le faire, hein. Donc là, c'était glisser, voilà, glisser tranché, hein, donc qui permet de faire venir les ennemis à soi, vers soi. Donc c'est bien, par contre attention parce que ça consomme de l'endurance, hein, ce truc-là. Donc là c'est bon, j'ai fait les 20 là d'un coup, donc ça augmente les dégâts de cette attaque, parce que ça fait aussi des dégâts et ça me donne plus 1 en magie rouge. Okay? Donc voilà, après pour l'endroit en question, bon alors moi je suis là, hein, là je suis au chapitre 8, 9. Bon là je suis là, alors c'est vrai que c'est dur de bien se repérer sur la map, hein, parce que tout se ressemble un peu, mais c'est vraiment carrément au sud de la map. Mais qu'importe, j'ai envie de dire, hein, où est-ce que c'est, hein, tu vois, c'est dès que tu tombes sur un terrain où il y a un ennemi, un ou deux ennemis qui traînent comme ça, tu fais ça ad vitam aeternam jusqu'à avoir le défi. Et puis basta, quoi, voilà, hein. Faut pas hésiter à faire ça dans ce jeu-là. Et donc là, je viens tout juste, là on a le décor là avec l'eau, là, la sphère d'eau, parce que ben, je viens de battre la Tanta là qui me donne de l'eau, donc c'est la magie de Prav. Ok, voilà, qui fait des attaques d'eau, voilà, que je viens d'avoir à l'instant. Allez.